Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bon, du coup, je viens de lancer le jeu à l'instant. Je sais pas ce que ça vaut, mais ça y est, on y est. Ok, bon, j'imagine qu'on peut pas faire de classe là au début. Non, on peut rien faire. Traiter tout le monde avec respect, je vais essayer. Jouer avec fair play, ouais. Rester vigilant ensemble, nous pouvons créer un espace de jeu juste amusant pour tout le monde. Possible, utiliser les outils à votre disposition pour s'amuser. Ok. Ok, c'est bon Activision. J'ai accepté le contrat, c'est parti. On va voir si c'est bien ou pas, les gars. Et ouais, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, non. Bah, la bêta, c'est sûr que je vais la tester, frérot, quand même. Je suis un joueur. Oh, putain. Tout de suite, j'attends. Déjà, je veux jouer sur Favela ou Rust. Favela ou Rust, ça, c'est une bonne question. Les deux sont bien. Hein. Je suis d'accord avec toi. Point stratégique. Ouah, HP sur Rust. Donc, j'ai le choix entre quoi? Oh, les armes me parlent pas du tout. J'imagine qu'on va jouer ça. Oh bordel! Oh bordel! Bah après je changerai ouais parce qu'elle a. Point stratégique. Oh mon premier kill, oui! Attends, j'ai. On va monter ici? Ouah, c'est trop bizarre. La sensi est giga haute. Ah non, mais maintenant je suis en 800 dépit, faut pas que je mette. Je recharge. C'est quoi, pourquoi il y a marqué tactique Pourquoi il y a marqué tactique? Ma sensibilité est beaucoup trop haute. Pourquoi il y a marqué tactique partout là sur l'écran là. Je suis détruit. A chaque fois du coup je pense qu'il faut recharger alors. Pas du tout. Non. Oh. Ma sensibilité est trop basse maintenant. Ma sensibilité est maintenant trop basse. Ah, par contre cette touche tactique là elle me turlupine, je vais pas vous mentir. J'ai l'impression que je dois recharger tout le temps mon arme. Waouh, c'est stressant, je crois que à chaque fois que je clique droit, j'ai l'impression que je dois recharger mon arme. J'ai plus de balles. Oh, comme grenade que j'ai. Oh mon petit top. Oh, comment tu dates. La touche pour s'allonger marche pas non plus. Non, en fait, j'avais pas de drone en fait. Bien sûr. Quoi ça? Ok, je sais pas ce que c'est mais. Il y a une casse qui m'a tiré d'où lui? Un ennemi! Attention! Le drone quitte la zone. Oh, les deux sont morts. Bon, je découvre hein, les gars, mais il y a plein de trucs à changer dans les trucs encore là, c'est pas opti. Mais les sensations pour l'instant sont bonnes. J'ai quand même l'impression de devoir mettre beaucoup de balles. Yes, juste bien. It's just... 60 secondes. Non, vraiment, j'ai vraiment le sentiment de tout le temps devoir recharger, les gars, c'est terrible. Merde, j'ai pas de touche pour m'allonger. Oh, je me déplace comme un bambi. Je me déplace comme un bambi. Ah, quoi? Oh, j'ai l'impression de devoir mettre masse balle à lui. Comment je passe? Comment on passe de l'autre côté déjà? On peut pas passer par le top par ici? Je peux pas mettre les trucs depuis tout à l'heure, frère. Faut que je recharge. Je m'en fiche sur le jeu, les connards comme toi et top. Ah frérot, moi c'est comme ça que je jouais à code à l'époque hein. Je sais pas si c'est l'arme ou quoi, mais des fois j'ai quand même des feelings de devoir mettre énormément de balles. Ah, genre là, tu vois. Ah, on a perdu. Notre drone
J'ai même pas fait attention au score, désolé, je découvrais le jeu. Mais pour l'instant, bon premier feeling, à part... mais je sais pas si c'est l'arme ou quoi. Genre j'ai l'impression vraiment de loin... 45-14 pour la première, les gars, c'est ok. Bon, on est niveau 4, je crois qu'on peut faire nos classes du coup. Que les kills, ouais, non, je suis désolé, j'avoue que j'ai pas joué les points. J'ai même pas tilté où j'avais l'information des points, genre. Ah, c'est parce que maintenant on a plus d'HP, ok. Bon, du coup, maintenant je peux faire mes classes ou pas? Après, la classe de base, j'imagine qu'elle était mieux que... On a tout débloqué? Ah non. C'est quoi le truc avec lequel faut jouer, les gars? Celle-là fait plus de dégâts, mais à moins de cadence. Enfin, ça, c'est la CR, non? Ah, la Striker. Ouais, mais c'est une SMG. Vous avez quoi en fusil d'assaut? Tu dois mettre des têtes pour faire des dégâts de loin. Ah ouais, maintenant, il y a ce délire de tête. Oh, c'est cool. Là, le SBMM va frapper fort. Attends, mais moi, on m'a dit qu'il n'y avait pas de SBMM. Attention, s'ils font la même connerie de chaque année à mettre du SBMM, le jeu va être déserté comme d'hab, hein, les gars, même s'il est bien. Il faut qu'il soit ajusté, quoi. Qu'il soit pas des games MLG. Regarde, t'es en train de me dire, vu qu'on a fait 45 kills, là, le prochain lobby, on va jouer Hydrage. Hein. En vrai, première game intéressante. Première game, j'ai kiffé. J'ai ramené le squeeze. Oh, oh, il y a peut-être un squeeze sauvage en plus, les gars, tout à l'heure. Allez, on monte le SBM bien à fond. Comme ça, Lucas va détester le jeu. On va tester la SMG. Attends, je t'aurais pas. Ouais, j'ai pas mis de tête, mec. Wesh. Ça, c'est l'arme, elle est trop bien, vous m'avez dit. J'ai l'impression de devoir mettre quand même beaucoup de balles, les gars. Oh my god, ma grande arme là, après je note. Mais t'as pas aimé, c'est très bien avec lui. Oui. Oh, il y a trop de gens, frère. Alors, allez, ok, mais c'est pas trop mon style de jeu. En MM, je trouve que le gameplay R est beaucoup plus fort que le gameplay SMG. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Hop là, on va prendre la classe par défaut, l'équipe. M'a dit ta mère. Hop, on prend mon petit top. Oh, mais ça aide. Quel fut ma surprise quand j'ai vu un pompe en ma possession. Quel fut ma surprise quand j'ai vu un pompe en ma possession. En fait, on a plus de vie, mais j'ai l'impression quand même de mourir vite. C'est un sentiment assez spécial. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, les spawns de Rust ont l'air quand même assez. Je sais pas si c'est parce que tout le monde court un peu partout ou. C'est normal, mais ça va quand même. J'aimerais bien. Oh! Ouais, ça passe, j'aurais le seum aussi. Genre, je tirais pas sur lui, c'est qu'il y a une bastos en plus. Vas-y, mon grand. Wesh. Non, il y a des trucs quand même. Là, je comprends pas comment il peut me tuer alors que j'ai tué. Rien, je sais, du gars. Genre là, j'ai vraiment le sentiment qu'il m'a dépop en. Hein. Vraiment. 0,5 secondes. Yes, mais je viens de respawn là. Je viens de respawn, je passe le canon et respawn là. La découverte, les gars, toujours pas de classe. La question, pourquoi ils gardent le SBM si absolument aucun joueur est pour? Parce qu'en gros, les joueurs très très nuls, du coup, ils restent sur le jeu grâce au SBMM. Et du coup, en fait, t'as l'impression que le jeu est vide et mort. Au final, au niveau joueurs actifs tous les mois, il y a beaucoup de joueurs actifs. Sauf qu'en fait, bah, t'as plus les streamers, t'as plus les youtubeurs, t'as plus. Non, le jeu sera désert. Oh, c'est un peu compliqué, je trouve, de... Là, pour l'instant, moi, de ce que je teste, et je suis pas en hashtag, les gars, hein. Vous me connaissez, je suis premier à... Mais les sensations sont quand même bonnes, tu vois. Les sensations sont bonnes. Le TTK 150, ça va. C'est juste qu'en fait, je pense qu'il faut s'adapter au fait que là, faut viser les têtes. Je sais pas comment à la manette tu fais. Parce que de base, à la manette, de base, la vis auto est attirée par le corps. Elle est pas attirée par la tête. Allô. Allô. Je sais pas si t'es déjà... Ouais, c'est ici que ça va tuer des noobs. Ouais, exactement. Moi, ça a commencé, là, je rejoignais Locke. Ah, moi aussi, je dois passer level 12 pour pouvoir customiser cette maudite ACR. Pareil. Et vous êtes prêts à jouer, là, Lucas? Vous êtes prêts à jouer ou pas? Il y a Locke qui arrive, je crois, il a lancé aussi. Et pour l'instant, c'est quoi tes feelings, mec, sur le jeu? Moi, franchement, je me régale. Après, j'ai pas joué à un code de manière générale depuis pas mal de temps dans des modes comme ça. Allô. Allô. Salut, mec. Salut, les gars, ça va ou quoi? Ça va, toi, mec? Comment il va, le BG? Non, genre là, t'as préparé vraiment ça. Oh, Gotaga! Les gars, je suis honoré de jouer avec vous quand même ce soir. Franchement, ouais, moi aussi, mec. C'est cool là. Putain, les gars, on va se faire du Call of Duty, les gars. Ouais, et Squeezie, quoi. Les débuts de Squeezie, donc c'est cool. Ouais, avant qu'il délaisse totalement le gaming, mais bref. C'est tout à fait d'accord, tout à fait d'accord. Monde de salauds. Avant qu'il devienne très aigri et vieux aussi, on peut le dire aussi. Pauvre type que vous êtes.
Bon, alors, les impressions là, Gotha qui joue depuis 19h là. Je vois que tu joues à R, mec, tu me déçois de fou là. Tu joues quoi? Je te regarde jouer. Mais t'es pas un joueur PM toi? Oh, mec, en ranked, j'ai jamais joué PM. Ah ouais? Ah ouais, non, moi j'ai toujours été. C'était quoi ton rôle déjà? Non, t'étais pas encre toi. Non, non, moi j'étais SMG. En compétition, je jouais SMG. Mais genre pour faire voilà, des nukes ou quoi? Que je t'ai dit. Oui, non, mais mec, pour faire des bons scores et tout en ranked, l'air est beaucoup mieux. Non, c'est sniper le mieux. Pas trop. Non, là y'a un snipe frérot avec 20 balles frérot qui tire en automatique. À ce qui paraît, ouais, 25 oui. À ce qui paraît, c'est n'importe frérot, quoi. Moi je vais sauter dessus, t'inquiète pas. Ah, personne a acheté le pack à 100 balles là pour avoir un skin ou je sais pas quoi? Non. Ouais, moi non plus. Non, je te jure que non, cette fois vraiment je l'ai pas. Ah, vraiment? Non, je te jure, je l'ai pas. Ah, mais tu. Hey everybody, on est déjà en live avec Loki et Gotha là. C'est, ça y est, là on va pas rire aujourd'hui, je vous le dis. On est là pour exploser du noob. Waouh. On est là pour en découdre. On est là pour en découdre. Attends, pourquoi il y a de la nostalgie? Parce qu'on est sur la bêta d'MW3, hashtag pas sponsor. Et oui, la passion existe encore, même si on est là depuis 10 ans. Et sur cette bêta, il y a des maps d'MW2, donc le code qui, moi, m'a fait percer, toi aussi, non, Coco? Ouais, bah oui, code, totalement. On a Warfare 3, oui, c'est les 100 mobs, c'est... Allez. Comment je fais pour avoir accès aux classes de base, là? Tu nous gonfles. Bah, tu as marqué personnalisé par défaut, tu cliques sur par défaut, mon grand. Ah putain, comme je suis en live, c'est moins fluide qu'avant, fais chier. Attends. Okay. Ah, ils trouvent déjà des excuses, les gars. T'as vu, c'est ouf. Alors, attends, que je me rappelle cette map. Des excuses, les gars. Et on vient de respawn à l'instant, qu'est-ce qu'un mec fait là-bas? Toi, c'est forcément vraiment... Si on est honnête. Oh bordel, le hitmarker là. Oh la tronche que t'as. Envoyez vos grenades là, allez, prenez B putain. Comme en 2012. Pas compliqué. Et voilà, il veut faire le l'ancien là. Ça marche pas. Comment de... Ah, sur le toit. Mais j'ai pas de cover. Comme en 2012. Les gars, je ne vois vraiment personne. Et quand je vois des gens, je me fais allumer. Ah frérot, je pensais pas que j'avais des bons souvenirs sur cette map, tu vois. Je vous dis, la map est à chier, je vous l'ai dit. Il nous l'a dit. Qu'est-ce que tu fais? Tu vois, il veut s'allonger, mais lui c'est un petit comique, lui. Hop là, la petite collatérale. Oh, j'envoie un drone. Oh, je suis trop fort. Le quatrième. Est-ce que je vais faire le cinquième? Évidemment que je vais le faire. Je suis tellement puissant. Je sais pas comment vous faites pour jouer et autant parler. Bah, mais c'est mon métier. On est animateur, c'est pas un bon gamer, hein, d'accord? Donc on te laisse faire les kills et nous on anime, t'inquiète pas. Bah, niveau kill, on je suis anime, pas trop là. On sera bien content dans les best-of qu'on nous vote en notre bouche, hein. J'ai tué personne! Comment? Ah si. Ah si. Mais il sort d'où? Les gars, faites un effort, vous êtes nuls. C'est fou. Alors moi j'avoue que là je suis vraiment pas fou. La découverte de la map pour l'instant c'est pas un kiff. Non mais mec, la SMG elle est très forte. Mais on se tourne autour depuis tout à l'heure ou... Non mais arrêtez de tomber sur les toits. C'est quoi, vous êtes des cambrioleurs ou vous jouez au jeu? Une folie. Putain, okay. Merde les gars, je redeviens Squeezie 2012. Oh mon dieu. Mais normalement si tu reviens, ah, dans la tête. Si tu redeviens le Squeezie 2012, c'est que le jeu est bon. C'est que c'est un Call of Duty. C'est ce que je veux dire ou pas? Ou t'es juste giga concentré ouais en ton duel? J'ai trouvé un toit les gars, je suis bien là. Ne bouge plus jamais, ah, ouais, moi aussi j'ai après un toit. Merde, je suis en coloc avec un mec sur un toit là. Je suis en coloc avec un mec sur le toit. Ok. Bébé, coco, défendez le toit d'en face. Y'a un mec dans le bat là en bas, devant collé. La SMG elle a l'air assez folle. Elle a l'air vraiment... Ceci les gars, vous avez vu, on joue bien l'objectif, on est en train de les... Non mes frères, c'est pas possible ça. Et elle tue de long sa petite mitraillette hein. Et je viens de mourir par quoi là? Si vous voyez des locations de loft sympas... Bah, y'en a un peu marqueur, partout, il me hein casse ouais, les c'est couilles ça, les marqueurs. C'est là la pause, c'est la pause magique. Alors, en fait y'a trop de bâtiments et trop de... Je sais pas, à l'époque je trouve que c'était différent non? Je veux dire. Easy. Dit-il avec un score radicalement faible. Frérot, dans quelques minutes, voire peut-être une heure, je serai au-dessus de vous tous. Moi je pense pas. Moi je pense. Tu parles des seuls. Je pense vraiment pas. Je progresse. Moi je le pense. Moi je pense que tu seras au-dessus de personne, frérot. Et on fait quoi? Estate? Rust. Tous okay les jours. Là c'est le moment où Gotha il fait une game à 50 kills. Minimum hein, parce que s'il a pas 50 kills, il m'offre 100 subs. Merci Gotha. Attends, c'est quoi? On fait un jeu. Je parie 100 subs, il les a. Ah, il est chaud, il est chaud. Ok, 50 kills. 50 kills, je parie 100 subs, que Gotha fait 50 kills dans cette game. Ah, je crois que j'ai pas fait 50 encore depuis. Alors le pari c'est que tu me donnes 100 subs si tu fais pas 50 kills. Merci mec, t'as la pression, voilà. La pression est sur toi. Bah du coup si je fais 50 kills tu me donnes Non merde, du coup je suis... Il va les faire. Ne parie pas, il va les faire 100%, il les fait. Ah oui mais 100%. Même moi je vais les faire. Même moi je vais les faire. Moi je parie 100 subs et tu fais pas 50 kills toi. Ah ouais oh. Mais moi je parie pas parce que je sais que et je moi fais 50 kills. Et moi sans moi j'ai pas besoin de parier. Moi je pense que tu peux toi. Ah mais c'est quoi, j'ai pris quoi là? Tu penses que Squeezie capable mais pas moi? Oui.
totalement. Attends, bouge pas, j'activation la vision nocturne. I'm going dark. Les gars, faut prendre des. Attends, mais je spawn sur une zone. Les gars, faut. Bon, les gars, je capture A. Les gars, il faut prendre un point. Ouais, c'est bon, j'ai 50 kills, je sais que. Ah non. Ah, faut prendre un point, arrêtez de jouer les kills. Tais-toi, Grenoobs. Allez, gobé là. Attends, on a 0 points là, Squeezie qui a pris un point. Je suis tout seul à prendre des points, c'est une. C'est phénoménal, frère. Mais mec, j'étais full sur les points, tu me connais, mais. Ouais, mais couille. Mon truc qui me tue moi. Oh là là. T'es venu sur B la team. Putain, merde, je suis sur B. Je hop suis là. Sur B. Dans le dos, dans le dos. On a A et B, on a A et B. Allez, allez. Allez, l'équipe. Allez, courage, courage. Allez, les Squeezos. Ils s'en parlent de. Les A, c'est du A. Putain, pourquoi tu. Ah, il est mort. J'ai débloqué la drone, les gars. Wouh. Nice, mon grand. Mon grand. Ouais. Ah le bâtard. Oh le pompe il est trop nul. Non je te jure, demande à Lucas. C'est parce que nos joueurs disent tout le temps mon grand. Y'a un mec en haut. Non, c'est pas très Lucas, sympa. Lucas, tu peux lui confirmer que nos joueurs Valorant disent tout le temps mon grand quand il parle. Ils disent tout le temps mon grand, ouais. Oh non mais tout est-il passé, Roméo. Les gars, je deviens euphorique en jouant à un jeu. Ah ouais, j'aime pas ça. Non. Ah. Pardon, excusez-moi. Prenez B, regarde-le lui, au lieu de lever la tête, prends B mon ami. Oh, pas foutu de me couvrir plus tôt que ça, Gotaga. Mais mec, ils ont vraiment pas de vie, genre. Par contre, le truc que pour récupérer sa vie, ça pue sa mère. Hein. Tu vois rien, t'as un écran de 20 pour vraiment pas de vie, je te le dis. Prenez les points. Mais je vais mettre mes téléphones. Mais arrête, qu'est-ce que tu fais à part le B. Prends les points, il fait des kills. Mais comment. Oh yaya. Changement de chargeur. On demande un survol de reconnaissance. Reçu. Reconnaissance en cours. Faut que je recharge. Cette voiture elle est bien, ouais. Ouais, mais une grenade, bah oui. C'est les gars, c'est le plus dur à prendre, je vous le dis. Faut pas aller sur C, c'est de la merde. Faut pas aller sur C, c'est de la merde, c'est de la merde. Mais attends, on a 0 points, les gars, oh. Bah oui, parce que vous jouez les kills. Non, moi j'ai toujours joué les points. Vous, toujours les autres. Non, c'est insupportable les spawns, je vous le dis. Non, mais les spawns sont horribles, genre, je comprends pas. C'est Russ, mec. Je spawn, je suis parano, tu sais, je regarde partout autour, mais après je. C'est quoi, essayer de prendre C, les gars. Oh. Je spawn dans un foudroiement, je. C'est terrifiant. C'est horrible, la game. Ah, vas-y, je viens de respawn là. Comment il pète là. Je campe. J'essaye de camper, mec, j'essaye. Oh, legit. Putain, ça spawn derrière. Mais comment il me tue avec un FMG à cette distance? Ça sert à rien de jouer à R. Vas-y, je prends B. Ça fait 20 minutes que je tourne autour. Tu crois quoi? Tu crois quoi? Je suis là en train de me sacrifier dessus. Y'a des mecs dans le petit trou. Y'a des mecs dans le petit trou. On va perdre la game, genre. Je te jure, Prenez le A. T'as pas à dire ouais, mais c'est pas ce que. Prends le A, viens avec moi prendre le A, toi. Viens avec moi prendre le A. Je suis là, mon grand. Dans le tunnel. Je regarde où, Lucas? Je régène, voilà où je regarde. J'ai pris le point, qu'est-ce que je te dise? Allez, gars, si on perd cette game, on arrête la soirée maintenant. Ok. Pourquoi on se prend des bombardements, Gotha? Il a spawn devant moi. Les campeurs un peu là. Le mec vient de spawn devant moi. C'est incroyable ce que je viens de voir. Il m'appelait mon grand. Allez, mon grand. Allez, mon grand. T'as pu sa mère, le mastodonte. Dans le dos ennemi. Ah, t'as pris un bouclier. Non, c'est un streak. C'est le mastodonte, mais ça pue sa mère. Je... Ah, ok. Y'en a un autre derrière, par chez tour. Mais les mecs, regarde les kickam, genre, mec. J'ai jamais vu ça de ma vie. Dis-moi, je suis sur le BP. Prends B. Je prends avec le mastodonte, je te jure. Je te coupe le tunnel. Les gars, on est bien. Remontons. On garde le B et le. Le B, je suis dessus. Faut juste garder le C ou le A là. Le C, y'a du monde. Au top. Ici là, les gars. Là. Ah.
Non, j'étais en kill streak et... Y'en a foutu. Les gars, on est passé en tête. Ouais. Toujours un mec au top. Le mec au top est mort, je viens de voir mon smidge. Mais écoutez les gars, genre en vrai, le mastodonte en fait, quand tu comprends la méta. Aidez-moi. Ça va arriver sur B. Ça va arriver en masse. Mais frérot, je suis pas ton bouclier, Squeezie. Si, tu l'as. J'ai vu toute la scène. Cette voiture elle est incroyable les gars. GG l'équipe. Putain, presque 50 kills. Eh, hey, on n'a pas perdu nos réflexes, on est bon, hein. Excusez, regarde, prochain game. Regardez, c'est moi. Headshot. Le troisième qui a allongé, tu l'as eu ou pas? Non, mais regarde, c'est pour ça qu'on perdait les points, frère. Non, mais attends. On ralentit, tu le vois, mais dans la vraie vie, tu le vois pas, frérot. Le mec, il tue les gens qui sont pas sur le point, t'as vu ce que j'ai vu? Alors, capture Squeezie 10, je tiens à féliciter défense. Et voilà, c'est parce que. Les gars, j'ai capturé 10 points, vous rendez compte? Il a capturé tellement de points! Mais t'as dit que je joue que mes kills, j'avais 6 captures! Eh, j'ai même pas l'impression d'être en live tellement je suis en pure tryhard là. J'ai l'impression de jouer offline. Non, mais c'est trop bien ce game là, non? Ouais. Ah ouais, je suis redécouvrir un Call of Duty. C'est bien jouer avec des copains et. Ça manque juste un petit peu de Warzone, tu vois. Ouais, et ça manque juste un troisième joueur avec nous qui joue les points, mais ouais. Ouais. À quoi? Non, t'inquiète, mais je vise personne. Par contre, j'ai fait 71 kills là, que j'ai des subs un peu ou. Bah non. Ah, fallait faire 50 tout pile. Ah ouais. Merde. Bon, en tout cas, sachez que c'était un plaisir de faire ça avec vous. En tout cas. Bah, plaisir partagé, cool. Même si ouais, tu joues pas les points. C'est toi qui dis ça. Franchement, hey, tu regardes les deux dernières games qu'on a fait, j'ai vraiment fait masse effort. Donc, oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais tu sais que la game juste après, là, même celle qu'on a perdue, t'as fait 40 kills, je te voyais, t'essayais de prendre les points et tout. Non, t'as essayé. J'ai vu, t'inquiète, j'ai vu. Mais ouais, il y avait trop en face. Merci les gars, prenez soin de vous, bisous les frérots. Bisous les gars. Bisous les gars. Bon, bah les gars, petit récap de ce code. En vrai, les sensations sont bonnes, il y a le côté nostalgie, tu fais ta petite game sur eux, c'est cool. Et au final, moi j'aime bien qu'il y ait plus de vie, machin, etc. Tout ce côté-là autour. Puis après, en fait, le problème, c'est que le SBM te rattrape, en fait. C'est-à-dire que, genre, plus les games avançaient et moins c'était plaisant. Certains diront, tu veux tuer des noobs. En soi, ouais, quand je joue du pub, enfin, je veux jouer des tout types de personnes, tu vois. Ouais, c'est ça, le SBM te ramène à la réalité, tu vois. Mais sinon, le gameplay du jeu est cool, je pense que sur Warzone ça va être vraiment agréable. Et puis bah sinon non, le multijoueur je pense que ce sera une année de plus où j'y jouerai pas, je pense. Je vais être honnête avec vous maintenant. En gros, ta première game tu t'amuses, ta deuxième aussi, ta troisième aussi, et puis au fur et à mesure après c'est plus marrant. Du coup je suis un peu dégoûté parce que c'est quand même un... Voilà, mais je pense qu'on va attendre Warzone tranquillement et voir là. C'est-à-dire que genre effectivement ce que Lucas a dit, bon bah j'ai joué à Call of pour l'année, bah je le rejoins un petit peu, tu vois. C'est-à-dire que là j'ai vu mon plaisir de jeu diminuer au fur et à mesure. Et pas que j'aime pas l'adversité, hein, les gars, tous les jeux auxquels je joue, tous les jeux auxquels je tryhard, je kiffe la ranked et je fais que ça de ma vie. Genre c'est impossible pour moi sur les League of Legends, Valorant, TFT, tout ce que tu veux, que je lance une normal game. Moi je veux faire que de la ranked tout le temps. Donc et faire des top 8, tu tombes contre des challengers dans tes lobbies, vous inquiétez pas, je kiffe ça. Mais au moins quand tu lances, tu sais que tu vas jouer contre des mecs de ton niveau au plus fort, tu vois. Là c'est de la norme, enfin je sais pas. En plus tu peux pas vraiment te comparer. Ça donne pas envie d'acheter ce que tu dis. Non mais moi c'est plus moi, mon avis à moi. Alors c'est pas en mode les gars l'achetez pas. Moi je pense que c'est un peu comme Lucas et Lox qu'ils ont dit en mode moi et que ça m'a suffi pour l'année effectivement, dans le sens où je sais que en fait, si j'achète le jeu, je vais jouer, je vais kiffer mes 3 premières games et après ça va être horrible. Mais par contre, ceux qui kiffent Call of Duty, qui n'ont pas 20 000 heures et qui n'ont pas fait justement des 20 000 heures sur Call of Duty à jouer, faire des scrims, des machins, etc., je pense qu'il peut vous durer un petit temps quand même. Deux mois, trop cool. Non, quand je vous dis ça, les gars, c'est pas pour vous dégoûter de code. Moi, je vous dis mon avis de pourquoi vous m'y verrez certainement pas. Tu vois, je vais pas vous mentir en vous disant oh les gars, c'était trop cool cette soirée. Putain, j'ai trop hâte que ça sorte. Parce que bah ça marche mieux que. Parce qu'effectivement, quand je stream du Call of Duty, vous êtes 20 000. Quand je stream du TFT, vous êtes 4000, donc moi c'est dans mon intérêt hein, d'aller jouer à Call of Duty les gars, mais je sais que je me forcerai pas, je vais pas prendre de plaisir même là. Et toutes les games les gars, je parlais même plus, on est obligé de tryhard, je te jure, j'étais focus dans tous mes duels. Mais bref, en vrai c'est quand même moins pire on va dire que... Après c'est peut-être le côté nostalgie, tu vois, vu que j'ai spam en Modern Warfare 3, tu vois, il y a peut-être le côté genre là on a peut-être fait 15 games ce soir, sur 15 games on en a joué peut-être 10 sur Rust. En gros, en dehors du SBMM, les défauts, sniper pour moi c'est un peu trop fort, ils sont un peu trop forts, les snipers sont un peu trop forts, et j'avais dit quoi, les spawns sont catastrophiques. Mais sinon, les sensations sont bonnes, en vrai de vrai.